Mais c'est un soldat pour Zéro des aides de l'armée après l'annonce du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Pas moins de 1700 soldats pro-Soro ont déserté l'armée suite à l'annonce du mandat d'arrêt contre l'ancien député de Feke. Une confusion totale semble s'annoncer dans le pays dirigé par Alassane Ouattara. La situation serait peut-être sur le point de virer à la catastrophe en Côte d'Ivoire. C'est en tout cas ce qu'on pourrait bien retenir de la déclaration d'un proche du patron de GPS. 1700 soldats pro-Soro auraient déserté l'armée après l'annonce du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, a indiqué Franck Enyamsi, conseiller de Guillaume Soro, selon les informations rapportées par pichanta.com. Ainsi, il peut arriver un moment où des soldats choisiront d'appartenir au camp Ouattara et les autres au camp Soro. Il se peut dans ce cas que la communauté internationale profite pour faire dos au régime de Alassane Ouattara. À ce propos, Kéran, un membre influent de la communauté dite internationale, ouvre le bal en attaquant violemment Alassane Ouattara. Pour France 24, c'est de la manipulation. RFI de son côté dénonce un mandat d'arrêt politique.